Installée dans les locaux de l'ancienne permanence, l'école primaire de la Bellevue était confrontée à une chaleur excessive en période de grand soleil. Conséquence, l'établissement enregistrait des cas de crise à répétition pendant ces périodes. Une permanence qui a été construite sans plafond. Les enfants sont installés en plein soleil. On m'a interpellé pour me dire que les enfants ne font que piquer de crise à la suite de la chaleur. Je suis venu constater, j'ai pris mes dispositions pour soulager les enfants. Voilà ce qui m'a conduit à passer au plafonnage de l'ensemble des salles de classe que compose cette permanence. Aujourd'hui, pour réduire la chaleur, la mairie de Dixine a plafonné les salles de classe et les cours ont repris normalement. Avant qu'il y ait ce plafond, on travaillait dans des conditions très difficiles puisqu'il fait excessivement chaud. La toiture est très basse, il fait excessivement chaud. Et une fois qu'il y a bavardage dans l'une des salles, puisque vous avez constaté ici, le bâtiment est long, il y a une résonance dans les autres salles, donc on ne peut pas travailler. Maintenant, avec ces plafonds, avec ces bijoux, on peut travailler tout doucement. La chaleur a beaucoup diminué, je ne dis pas complètement parti, mais ça a beaucoup diminué. Et les élèves faisaient beaucoup de crises. Dieu merci, ça a diminué beaucoup. Les élèves se disent satisfaits des actions de la mairie. Ils sollicitent du ministère de l'Éducation un appui financier pour l'établissement des points d'eau, des toilettes et de l'électricité.